Yo tout le monde, aujourd'hui petite vidéo pour les débutants sur Escape from Tarkov The Lab, une technique partie 2 pour looter, attirer les scavs riders sur cette map qui est super dangereuse. Vous voyez là, j'y vais en mode YOLO, mais ça se trouve ça fait au moins la 50e reprise que je fais. Ça vous le savez pas, moi je le sais. Donc le but c'est d'aller dans le hangar, le quai de livraison, ici, à l'étage, premier étage. Enfin, vous activez l'alarme. Et vous courez le plus vite possible, direct mon gars, parce qu'il va y avoir du PVP. Vous avez une chance sur 5, ou je sais pas sur combien, que vous, dès que vous arrivez au niveau de la cuisine, parce que c'est ça, ça va être là, c'est la technique en fait. Regardez. Là, il peut y avoir du scav à buter tout de suite. Ok. Donc en fait, tout va se jouer ici. Donc vous sortez, gauche. Vous prenez... Regardez. On va laisser venir, regardez. On va laisser venir. Par contre, il m'a mis cher. Hein. Donc, il faut faire attention aux joueurs. Pas forcément besoin d'avenir super stuff. Regardez, je suis juste avec une HK. Avec des munitions. Et après, il faut pas être non plus être très gourmand, vous voyez. Faut pas être super gourmand. Juste tuer ce qui vous avez nécessaire, ce qui vous semble nécessaire, et vous après vous allez trouver une extraction un peu plus loin. Mais je vous déconseille de repasser par là. Essayez de faire un grand tour et de vous extraire ailleurs. Tiens, regardez, il y en a un là-bas. On voit son arme. Bon, je vérifie là-bas. Donc le mieux c'est d'avoir un petit comtac, mais moi je joue sans casque, jamais. Plus de balles. Voilà, vous voyez, 3, ça va largement me suffire. Je recharge. Et là, maintenant, le but le plus dangereux, en fait, c'est pas de les tuer, c'est de looter. Vous voyez, là vous pouvez vous faire plaisir, hein. Mais surtout faire bien attention. Putain, y'en a aucun qui a un sac, un gros sac. Putain, c'est pas possible, y'a personne qui a un sac. Fermez les portes, les mecs. Donc voilà, voilà, en gros, comment faire. Je vais pas vous en dire plus parce que bon, c'est assez simple en général, hein, mais c'est plus pour les débutants en fait. Généralement, il y a des plus gros sacs, ou alors vous-même vous venez avec un attaque 2 par exemple, et vous faites un grand plaisir. Fouillez bien les poches, parce que c'est là qu'il y a toutes les grenades, etc. Vous voyez, il y a plein de choses à prendre. Vous avez chargeur, grenade, flash, c'est toujours utile. Voilà, voilà. Donc, surtout, si vous avez trouvé ces petits tutos très rapides, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un pouce bleu, etc. Et surtout, voilà, comme tag. Et surtout, abonnez-vous pour le soutien de la chaîne, ça fait vraiment plaisir. Donc là, on n'a pas eu de chance, on n'a pas eu de tomber sur des scavs avec des gros sacs. Donc, généralement, vous pouvez faire ça à 2 à 3. Faites attention aux joueurs, parce que eux, ils rushent aussi. Il y a beaucoup de bambis sur cette map. Et là, vous allez vous looter super bien, très rapidement, si tout se passe bien. Donc après, à vous de trouver une extraction à votre guise. Voilà. Je vous dis à une prochaine, sur une prochaine vidéo. Banzai.